Quelle est l'abscisse du point bleu placé sur la droite graduée Alors ici on a une portion de la droite graduée et c'est la portion qui se situe entre 0,02 et 0,04. Donc ici on a 0,02, il faut bien comprendre qu'en fait ça c'est 2 centièmes hein, puisque ici j'ai le chiffre des unités, là c'est le chiffre des dixièmes et ça c'est le chiffre des centièmes. Donc ici on a 2 centièmes, ici c'est 3 centièmes et là c'est 4 centièmes. Et on nous demande de trouver l'abscisse de ce point bleu, qui est celui-là, ici. Donc, il est situé entre 3 centièmes et 4 centièmes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la distance qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, eh bien, on passe de 3 centièmes à 4 centièmes. Donc, ça, c'est 1 centième, toute cette distance-là. Et puis, cette distance-là, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on l'a divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Et donc chaque partie, c'est un dixième de centième. Un dixième de centième, en fait, ça fait un millième. Donc ici, quand on passe de cette graduation à celle-ci, en fait, on ajoute un millième. Et un millième, c'est 0,001. Donc là, j'ajoute un millième. Ici, c'est la même chose entre ces deux graduations ici. Et puis à chaque fois, on additionne un millième. En fait. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est regarder combien de millièmes on doit additionner pour arriver jusqu'au point bleu. Donc là j'en ai déjà un, un autre, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième et un huitième. Donc voilà, en tout ici, pour passer de 0,03, qui est 3 centièmes, à ce point bleu, j'ai ajouté en tout, je viens de le dire, huit millièmes. Donc ah, ça en fait ça fait plus 0,008. 8 fois ce nombre-là, 0,001. Donc finalement, ce qu'on a, c'est qu'on part de 0,03, qui est notre 3 centième ici, et puis on ajoute 8 millièmes. Et ça, en fait, pour faire ça, ça revient uniquement à ajouter un 8 à la place des millièmes. On a bien ici 0,03, plus 0,008, tu peux le voir comme ça ça donne bien 0,038, ou alors 38 millièmes, on peut aussi dire ça. Donc là, c'est vraiment ça, on a nos 3 centièmes qui sont ici, et on ajoute 8 millièmes, c'est donc un 8 à la place des millièmes ici. Donc voilà, l'abscisse de ce point bleu, c'est 0,038, que tu pourrais voir aussi, on l'a dit tout à l'heure, comme 38 millièmes, puisque ici, ce 3 qui est là, 3 centièmes, on peut dire que c'est 30 millièmes. Plus 8 millièmes, ça fait donc 38 millièmes.